Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose deux recettes pour votre table de ftour. Ça serait une soupe avec un accompagnement. Pour la soupe, j'ai choisi une souwa, c'est une soupe à l'orge qu'on va préparer avec des crevettes. Vraiment rapide à faire et délicieuse. Vous choisissez la semoule d'orge fine. Il faudra tout d'abord la rincer et l'égoutter. Et dans une casserole, vous mettez de l'huile d'olive. On va y faire revenir l'oignon jusqu'à ce que ça devienne translucide. Après, on rajoute les tomates mixées. Je mets du concentré de tomate, une petite feuille de laurier, du sel et du poivre. Et on va faire revenir sur le feu pendant quelques minutes avant de rajouter les crevettes décortiquées. Après, on va verser soit de l'eau ou bien du bouillon donc de légumes ou de préférence un bouillon de crevettes. Là, parce que j'avais pas des crevettes vraiment fraîches, vous décortiquez la crevette et vous faites un bouillon, vous mettez dans une casserole avec de l'eau, vous laissez bien infuser et après vous filtrez et vous l'ajoutez à votre soupe. Ça parfume incroyablement la soupe. Donc vous rajoutez de la coriandre et vous allez couvrir et porter à ébullition. Après, on va rajouter la semoule d'orge, on va laisser cuire sur feu moyen en remuant régulièrement. Ça cuit rapidement. Il faut que ça soit onctueux et pas trop épais. Pour accompagner cette soupe, j'ai fait des cigares aux pommes de terre et poireaux. C'est un reste de purée de pommes de terre de la veille que je vais recycler. Je vous conseille de faire pareil pour les restes. Cette astuce de brique fonctionne toujours avec des restes de poulet, légumes, riz, et ça évite de gaspiller. J'ai donc découpé deux poireaux que j'ai fait revenir dans un filet d'huile d'olive avec du sel et du poivre jusqu'à ce qu'ils soient fondants. Après, je les rajoute aux pommes de terre écrasées. Je mets du fromage râpé. Vous pouvez ajouter les épices que vous aimez. Vous pouvez aussi mettre du thon nature, par exemple. Moi, je me contente de ça. L'association poireaux et pommes de terre fonctionne très bien. Vous pouvez par contre mettre de la ciboulette ciselée. On mélange tout ça. Et je découpe les feuilles de brique ou la pâte filo. Je les enduis d'un peu d'huile et je commence à faire des cigares ou la forme que vous voulez. Vous pouvez faire des triangles par exemple. Comme je vais les faire à l'air fryer, j'ai pas besoin de les fermer. Je vais les déposer comme ça risque pas de s'ouvrir. Mais si vous comptez les frire, il faut les souder à l'aide d'un peu d'œuf. Vous pouvez aussi les faire cuire au four chauffé à 200 degrés, laisser dorer. L'enveloppe va être bien croustillante et l'intérieur bien fondant. J'espère que ces deux petites recettes vous auront plu, que vous allez les tester. Il me reste qu'à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.